Salut les amis de la glisse, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo un peu particulière puisqu'il ne s'agit pas aujourd'hui de faire une balade mais un petit test de matériel. Effectivement, je viens de changer de matériel vidéo en faveur d'une caméra stabilisée. Voilà, vous voyez, ça bouge, c'est tout sympathique. C'est une caméra toute récente faite par le fabricant DJI qui fabrique habituellement des drones et là c'est la Osmo Pocket. Donc c'est une caméra stabilisée avec le même type de nacelle en fait qu'on a dans les drones et qui permet par exemple de suivre mon visage. Ça permet tout plein de jolies petites choses. Alors là, je teste en même temps la capacité à capter du son puisque je suis sur ma gyroroue et je roule. Donc comme d'habitude, un micro de bas, ça fait toujours un peu frout parce que ça prend le vent. Donc, je suis bien impatient de voir ce que ça va donner sur celle-là parce que là, c'est l'un des principaux problèmes. Donc testons cela, je roule un petit peu. Alors c'est re-moi en mode selfie qui va bien, ça enregistre toujours, sauf que cette fois-ci la bestiole est empâtée dans son petit panier plein de poils pour éviter que le vent ne fasse foot dans le micro. Alors j'en ai aucune idée si ça marche, c'est du bricolage le plus absolu, mais si ça marche ça pourrait permettre de patienter et d'avoir un son à peu près correct parce que DJI devrait nous sortir des petits accessoires pour brancher un micro externe, mais pour l'instant c'est l'une des faiblesses de cette caméra, ce n'est pas encore possible. Et voilà, on retrouve le vent contraire, donc ça siffle bien dans les oreilles, je sais pas vous, on va voir ça au montage. Alors la caméra à bout de bras, ça donne à peu près ce cadrage là. Alors faut savoir que j'ai les bras longs, puisque je fais 1m80, j'ai les bras longs, attention. Et voilà donc ce que ça donne, ça cadre pas tout à fait comme une GoPro, ça cadre pas aussi large évidemment, mais le cadrage est quand même, en tout cas sur mon petit écran de contrôle, assez sympathique. Et ben voilà, c'est la fin de cette petite balade test de l'Osmo Pocket sur une roue électrique. Alors je sais pas comment ça va donner une fois que ce sera monté et vu sur un grand écran, mais en tout cas là, avec le petit écran de contrôle et à l'utilisation en situation, c'est vraiment super agréable. J'espère qu'elle tiendra ses promesses. Allez, on se retrouve très vite. À ciao !